Aujourd'hui, on se retrouve sur Celestia. Ça a un peu avancé, comme vous voyez depuis que vous avez regardé le live. On se retrouve à écouter dans un prochain épisode pour finir notre maison. Mais voilà, on a fait notre moulin. Là, il y aura notre champ. On fera peut-être un peu autour et tout ça. Parfait. Désolé pour les fautes, hein, j'ai fait ça le plus vite possible. Le mot guetté. Oui, en fait, je pense que le sapin faudrait attendre de savoir où est le centre du village. Ou alors faudrait qu'on décide maintenant. Oh, ça commence à être trop beau. Allez. Oui. Si. Donc, les amis, n'hésitez pas à faire vos propositions pour un petit peu tout, que ce soit les maisons, le pont, la grosse maison, le sapin, la patinoire. Bref, voilà. N'hésitez pas à faire vos propositions. Vos amours. Ils vont nous détester, ouais. Non, ça va. En vrai, c'est pas. Oui. C'est terminé. J'espère que ce prank. Plaira, mignon, j'adore, je vais prendre dans cette miniature, voilà. J'espère que ça vous plaira. Plus. Moi, si moi ça pas écouté. Moi, j'aime beaucoup. Oui. Non, mais les gens dans les commentaires, pas vous. Voilà, dites-lui dans ses commentaires. Ok, il s'en bat les chaussettes. Il s'en bat les steaks. Non, mais... Franchement, avec une petite. Là, ça manque de rangée de feuilles. Ouais, j'ai rajouté ça après de mon côté. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Ça vous intéresserait de voir d'autres îles sur mon île. C'est très bizarre de dire ça. Pensez que je serais capable de sauter dans l'eau. J'ai pas envie de mourir, j'ai 30 niveaux les gars. Et si je fais MLG? Ouais, écoute. Oh, ça va. Attends, allez. 3, 2, 1. Tadam! Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Par ici, je vais faire mon écurie. Ici, je pense que je ferai une petite construction, je ne sais pas quoi, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ce que je voulais en fait, tout ce qui me tentait. Et puis je pense qu'il serait temps que je quitte l'île, que je descends un peu en bas, partir faire mon aventure un peu en bas. Hey. Bah je ne sais pas ce que vous en pensez de notre table les amis, mais c'est pas mal non? Le petit tapis là, enfin le tapis c'est pas... Comment on dit ça? Ah je sais... Pas de... Non, les draps c'est sur les lits. J'ai une roue de mémoire. Prochain épisode, c'est obligé qu'on fera un petit espace pour mes chiens. On se retrouve sur Celestia pour la suite de l'avancement de notre fight, tout simplement. Ouais, j'espère que ça va. Notre verdure... Je pense qu'une idée cool à faire, c'est de rajouter des lapins dans notre serre. Ça nous ferait penser à notre chez nous, ceux qui ont suivi. Je trouve personnellement que ça manque d'herbe par ici. Bon, moi ça fait 2 heures presque que je suis en live. Je suis fatigué, j'ai pas dormi la nuit. On va faire un prank comme vous l'avez vu dans le titre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas mal. C'est pas très méchant, c'est même pas méchant du tout, c'est mignon, au contraire. Ici c'était la maison de Jacqueline, notre zombie qui est morte maintenant, pas trop vide. Et là, on avance. J'ai fait une sorte de pattern au mur, j'aime bien. C'est pas dégueu. Et ici on a notre salle d'enchantement. À côté de notre salle d'enchantement, nous avons, que j'ai pas mis le pardon, notre salle de tir à l'arc. Ensuite, à côté, nous avons notre salle des coffres qui a été proposée par Greg. 24. Hop. Voilà, salle des coffres, hyper basique et tout ça. Sauf que là, on a un étage, salle des fours, tout ce qui est enclume, etc. Cette salle, j'aime bien. Nous avons la salle des abonnés, ça c'est votre salle. Là, c'est la salle du nostalgie. Il y a des panneaux qui datent du 03. Regardez. Voilà, la salle à manger. Et là, on a une immense jardin. Enfin, une grande. J'ai mis tellement de temps à creuser cet endroit, surtout que là. Ici, nous avons notre salle de striptease. C'était une idée avec Clem qu'on a eue. Et là. J'aime trop cette salle. Là, c'est un peu what the fuck, on va dire, c'est le moment pub. J'ai fait un endroit immense. Encore une fois, avec des escaliers pour en guise de siège. Nous avons notre piscine. Piscine avec un petit bar sympa, des bibliothèques. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. On se dit à très bientôt pour la suite de Celestia parce que c'est loin d'être terminé. J'ai encore beaucoup d'idées. Le notre dôme a été enfin mis sur notre ville. Le dôme a été fait par Anto. Voilà le résultat. Deux endroits comme ça qui sont reliés. Donc là, il y aura la porte que je n'ai pas encore faite, bien sûr, mais ça aussi, c'est assez grand, écoutez. Et je pense que je vais me moucher aussi. Ouais, parce que là...
une fontaine bientôt à mon nez. Moi, mon kiff depuis des années, c'est de voir un What's Up Gamer sur moi. Arrête de rigoler pas, c'est un goal, mec. Genre, entendre la voix de Gilles raconter mon parcours exemplaire. J'en ai marre. Mais c'est vrai. Ah putain, non, sérieux? Oui. Faudra que tu nommes ta maison, donc je te laisse réfléchir un petit peu à ta maison. Comment ça nommer ta maison? Bah genre tu l'appelles comme tu veux, genre Aurélien il a appelé sa maison, la maison qui cache la maison de Tiffany, un truc du genre. Ah d'accord, ok, bah je fasse autre chose. Si je voulais que je fasse autre chose, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je fasse derrière les lamas, sachant qu'il n'y a pas trop d'espace au début, parce que voilà, c'est le début du dôme. Et j'ai découvert ta base, que je n'avais pas vue, et c'est... Bah, je trouve ça franchement joli, hein, c'est original quoi. Merci. C'est artistique. C'est super. Ça commence à être bien rempli, on commence à avoir des bâtiments de partout. J'ai un projet un peu secret, spécial, tout ce que vous voulez sur Celestia depuis un petit moment. Et il est temps que bah, qu'on parle de ça. Ça serait sympa. Et j'ai trop hâte de vous présenter ce projet. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. J'ai trop hâte de commencer mes constructions. I have a secret, y'all. Pour que vous puissiez voir ce que j'ai en tête, ce que j'ai envie de faire. Mais quand vous l'avez pu remarquer, je ne serai pas seul. Je serai en compagnie de Snow. Hop, imaginez avec le sol rempli, quelques arbres devant. On flic. Très content de ce qu'on a pu faire, mec. Hein. Ouais, ça va, c'est plutôt mignon. C'est cosy. Oui, et je trouve que ça ressemble à ton style aussi, tu vois. Et ici, je vais directement mettre ça, comme ça, ça fera une sorte de socle qui tient. Moi, le résultat m'a beaucoup plu quand j'avais fait les tests en solo. J'espère que vous aussi, ça vous plaît. Je comprends ça totalement. Moi, je trouve que ça rend hyper bien. Ça fait côté nuage et tout. Je sais pas ce que vous en pensez. En vrai, ça rend bien, mais c'est vrai qu'il faudrait pouvoir les poser sur la neige. Pardon, j'ai traduit. Merci. Mais ouais, j'avoue. Non, il t'en a pas ici. Bon, bah, c'est super. On a fait une petite pièce bien pétante. Ça, il nous manquerait de rajouter quelques verdures. Oh mon dieu, voilà. C'est pas du mal. Du coup, je viens de te péter l'image de la cuisine. Exactement. C'est normal. De partout. En attendant de refoutre les glowstone au sol. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve demain pour la suite de notre calendrier.